Il y a Kamal et Ali sur le côté. Moi, j'étais déjà devant, donc j'ai décidé de rester. Et voilà, j'ai bien fait. On a marqué. Il y a trois défenseurs qui sont sur l'action, donc c'est cool. Elias Laradi, en français. Bonjour Rudy, félicitations sur la victoire. Est-ce que tu Merci. es content que le fait que tu as fait cette petite bêtise déflexion, que tu as marqué le but qui a égalisé? Comment t'as senti après ça? Je suis content de quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Étais content de marquer ce but après cette petite erreur de déflexion? Cette erreur de défection? Déflexion de quand le but, quand ils ont marqué le but, ça. Ah, la déviation. La déviation, exact. Ok. Ouais, c'est clair. La semaine dernière, penalty. Voilà, fallait que ça s'enchaîne. Je touche le ballon sur le premier but, malheureusement. Et ben, fallait qu'on revienne. Non, non, je suis super content de marquer le but. Du 1-1, et encore plus content du but de Rommel et qu'on vienne chercher cette victoire ici. Je crois que c'est la première victoire dans ce stade contre cette équipe. C'est pas une équipe qui joue un beau football, mais c'est une équipe qui nous a, pour parler un peu, cassé les couilles. Beaucoup de balles longues et de jeux physiques, voilà, beaucoup de courses dans notre dos. Donc, c'est pas une équipe facile. Et aujourd'hui, on a gagné avec beaucoup de caractère. Fier de l'équipe. Jeff Morancy. Oui, alors Rudy, tu viens de le mentionner, vous avez gagné ce match-là avec beaucoup de caractère. C'est un record d'équipe avec deux victoires consécutives. Dans la meilleure saison que vous avez faite depuis votre entrée en MLS, c'est quatre victoires à l'étranger. Est-ce que vous sentez que cette marque-là, elle est atteignable ou sinon battable cette saison? L'objectif, ouais, c'est de gagner le plus de matchs possible, y compris à l'étranger. Donc voilà, on a toujours le même objectif, c'est de gagner les matchs. Et c'est vrai qu'on avait du mal l'année dernière, je crois, à gagner sur la route. Ouais, c'est le but de cette année, de gagner plus de matchs à l'extérieur et d'enchaîner les points à domicile pour nos supporters, ce sera super important aussi. Philosa. Salut Rudy, félicitations pour la victoire. Un petit mot sur le but, justement, gagnant. Lorsque tu projettes le ballon vers l'avant, est-ce que tu vois déjà que le gardien est sorti loin de son rectangle et qu'il y a quelque chose à faire pour Rommel ou c'est un coup de chance tout simplement? Je vois pas le gardien, mais je sais qu'ils sont hauts et qu'ils veulent aller chercher la victoire, et je sais que Rommel il traîne derrière. Voilà, fallait mettre le ballon dans l'espace. Il y avait de l'espace dans leur dos. Non, j'ai pas vu le gardien avancer, mais en tout cas, je savais qu'il y avait Rommel, donc tant mieux pour nous. Bonjour Rudy, je te ramène sur les matchs à l'étranger. Vous venez de disputer trois matchs consécutifs sans défaite sur les gazons adverses, ce qui est une belle statistique pour vous. Sur le plan confiance, qu'est-ce que ça peut apporter au groupe? On a mal commencé la saison, et en plus les matchs à l'extérieur, ce n'était pas des matchs faciles. C'est des matchs qu'on a mal commencé. Voilà, sans caractère, on les aurait perdus. À Cincinnati, on est quand même revenu plusieurs fois. On a gagné ce match. Pas facile. Aujourd'hui, on gagne le match, c'était compliqué. Et à Atlanta, on mérite de gagner le match, même si sur la fin, on a flanché. Ouais, pour la confiance, c'est bien. Et maintenant. Le prochain match, c'est à domicile, ça va faire du bien à tout le monde et on va essayer d'offrir un beau spectacle et des victoires à nos fans. Et une dernière pour toi de Michel Lamarche. Ouais, merci. Merci de nouveau, Patrick. Rudy, je veux juste que peut-être tu décrives un peu bon, on pourrait peut-être parler des 20-25 premières minutes du match où ils vous ont mis beaucoup de pression et ont marqué leur but pendant cette période du match. Vous avez quand même tenu le coup, vous êtes resté 1-0. Comment tu décrirais vos réactions en collectivement pour avoir surmonté cette vague-là qui était presque incessante? Ouais, comme je vous ai dit, mettre beaucoup de pression et on avait du mal à sortir de leur pressing. Fallait casser un peu leur pressing. On n'y est pas arrivé les premières 15-20 minutes. On était un peu acculé sur notre but. On a tenu, on a fait le dos rond et on n'a pas encaissé ce deuxième but qui aurait pu être voilà, compliqué pour nous. À la mi-temps, on arrive à 1-0. On était
on était toujours dans le match, on est resté focalisé sur notre jeu, on a réussi à trouver des brèches, installer un peu plus notre jeu. Et aujourd'hui, on prend les 3 points, donc c'est super bien pour nous, on est content. Maintenant, on va regarder pour le prochain match et on va savourer cette victoire. Merci beaucoup, Rudy. Bon retour. Merci à vous, bonne soirée. Toi aussi. Voilà pour ce soir. Merci.